Bonjour à tous, Nouvelle-Zélande-Italie, un match sans gros enjeux pour des Italiens assurés de terminer dernier de la poule B et des All Blacks assurés, eux, de terminer premier. Pourtant, Laurent Cabane, il va être intéressant de voir la réaction d'orgueil des Italiens face à des Blacks qui joueront sans doute le jeu, les Blacks dont on découvre la composition d'équipe. Oui, les Italiens qui vont jouer aujourd'hui pour l'honneur puisqu'ils ont perdu leur premier match contre des Anglais. 67-7 après un fantastique match des Anglais. Et ensuite, ils ont perdu de 3 petits points contre des Tongiens. Un drop dans les dernières minutes par le numéro 10 Tongien. Donc effectivement, ce dernier match de la poule pour eux contre la Nouvelle-Zélande, ça va être un gros morceau aujourd'hui. On peut s'attendre peut-être, oui, à un sursaut de l'orgueil de la part des Italiens. On va voir parce que beaucoup de gens parlent de record alors que l'on découvre la composition de l'Italie. C'est une composition classique, à peu près la même formation que celle qui a affronté le Tonga lors du match dernier. En revanche, du côté néo-zélandais, on l'a entreaperçu, beaucoup de changements, puisqu'il y a 11 changements par rapport à ce début de Coupe du Monde, à ce début de Coupe du Monde en ce qui concerne les titulaires. 11 changements, mais il y a toujours John Alomo. Oui, mauvaise pioche pour les Italiens, effectivement. Il reste dans l'équipe, John Alomu. Donc c'est pour son vis-à-vis, ça va être un match difficile aujourd'hui. Et je peux vous assurer que les 15 Néo-Zélandais aujourd'hui qui sont sur le terrain vont pas dormir. Voilà, le coup d'envoi a été donné par Diego Dominguez et le ballon tout de suite dégagé par Brown parce que Mertens est sur le banc. Andrew Mertens, le demi d'ouverture de cette équipe néo-zélandaise avec une chandelle tout de suite dans les bras de Brown qui n'a pas réussi à se saisir du ballon. Byron Keller non plus. Le ballon pour les Italiens à quelques mètres seulement de la ligne d'en but néo-zélandaise. Un ballon saisi par Castellani. Les Italiens qui poussent et la défense des Blacks pour repousser ces Italiens en touche. On vous parlait de réaction d'orgueil. Et bien sûr, le coup d'envoi, après 30 secondes de jeu, les All Blacks ont déjà été obligés de défendre leur ligne d'en but. Oui, superbe récupération de Pigny à l'arrière qui a relancé, qui a tapé un joli coup de pied qu'il a récupéré. Et ensuite, ils ont mis une belle pression devant la ligne des Néo-Zélandais alors qu'on a une pénalité là pour les Blacks. Alors on a vu justement la prise de balle à deux mains de Ian Jones qui fête sa 78e sélection aujourd'hui et qui n'avait pas encore joué depuis le début de la Coupe du Monde, il n'était même pas sur le banc. Et bien Ian Jones, le joueur de North Harbour, retrouve la sélection All Black. À noter hein, pour ceux qui étaient titulaires, donc il y a Lomu, il y a Wilson à l'arrière, il y a Ten Randall, le capitaine qui avait la balle en main ici, et il y a Greg Dowd, le pilier qui lui a remplacé Keith Mayhew en début de Coupe du Monde, Mayhew qui s'était blessé. Sinon, ce ne sont que des remplaçants. On a aperçu Byron Keller, le demi de mêlée qui remplace Justin Marshall qui était un peu blessé du reste à l'issue du match contre l'Angleterre. Il y a Gibson également au centre associé à Alatini, le joueur d'Otago qui avait fait ses débuts contre la France cette année. Et puis il y a donc Osborne à l'aile. Glenn Osborne, on le connaît, il a déjà joué à la Coupe du Monde 95 notamment lors de la demi-finale contre l'Angleterre. Et puis un talonneur inédit, c'est Ahmed qui fête sa 3e sélection et Mika également en 3e ligne. Les Italiens encore une fois à l'attaque, des Italiens qui ont décidé de mettre la pression sur les All Blacks. Mais justement, on a vu les Blacks, surtout face à l'Angleterre, on a vu chez eux qu'ils avaient de grosses capacités à défendre. Oui, des Italiens qui pour l'instant monopolisent le ballon, même si là, sur le regroupement, les Blacks ont récupéré ce ballon. Et donc je pense qu'ils vont lancer une attaque où ils vont peut-être occuper le terrain avec leur demi-ouverture Brown. Et Brown qui fait un petit peu comme Mertens, c'est-à-dire qu'il joue au pied, qui décale le jeu, qui renvoie dans le camp de l'adversaire. Ça fait du bien à la défense et en même temps, ça déstabilise l'équipe adverse. Brown qui est entré hein, lors des toutes dernières minutes face à l'Angleterre, parce qu'on avait vu John Hart justement procéder à de nombreux changements, même si c'était un match important. Mais John Hart, il voit un peu plus loin que ce premier tour dans cette Coupe du Monde et il fait participer tout son effectif. Oui, il l'a annoncé, ce n'est pas un match pas au sérieux par les Blacks. Ils ont attaqué ce match très sérieusement et Hart compte sur ses joueurs donc dit de la deuxième équipe pour ils comptent sur leur prestation aujourd'hui pour pousser justement les titulaires le plus possible. On peut s'attendre aujourd'hui à un gros match de ces joueurs quand on pense que Ian Jones a été aujourd'hui remplaçant dans cette équipe de Nouvelle-Zélande, que Maxwell donc est le titulaire, je peux vous assurer que ça veut dire quelque chose.
Ian Jones, donc 78e sélection aujourd'hui. Pour l'anecdote, il y a l'arrière, hein, Jeff Wilson, qui peut battre un record ou égaler un record en tout cas aujourd'hui, celui du nombre d'essais marqués sous la tunique All Black, un record qui pour l'instant appartient à John Kirwan. C'est 35 essais, il en est à 34 pour l'instant. Jeff Wilson avec la percée ici de Gibson. Gibson qui remplace Jeremiah et apparemment avec autant de percussions hein, au centre de cette équipe néo-zélandaise. Et ça continue avec le pilier Greg Fick. Le ballon qui est toujours dans les mains All Black. Non, il a été repoussé au pied par Alessandro Cipollino, par Christian Stoica plutôt. Oui, les Italiens qui se sont portés hors jeu sur le regroupement. Défendent bien les Italiens depuis le début, mais là les Néo-Zélandais donc sont en position de marquer, et quand on connaît leur pragmatisme, donc ils décident de taper cette pénalité. Un peu étonnant, mais c'est un peu le côté rationnel des All Blacks. Ils prennent les points dès le début. On les a jamais vus en début de partie jouer des pénalités à la main. Ouais, c'est ce qu'ils avaient fait notamment contre le Tonga lors du premier match. Ils avaient engrangé les points. Comme ça, ils avaient pris le large et ensuite ils pouvaient attaquer comme ils aiment le faire au large. Ah, c'est numéro 7, Savio Zic, qui s'était porté, qui était hors jeu sur cette action. Voilà, Tony Brown qui donne les 3 à premier point à cette équipe de Nouvelle-Zélande. On a vu lors des deux premiers matchs de Coupe du Monde que les Blacks, dès qu'ils avaient une occasion de marquer, dès la première occasion, ils le faisaient. Et encore une fois, ils le font ici face aux Italiens. Première occasion et 3 points pour les joueurs de John Hart. Le coup de renvoi qui va être donné par Diego Dominguez, quasiment le seul marqueur de points de cette équipe italienne, à part Moscardi qui avait inscrit un essai face au Tonga dans le match précédent avec une petite faute de main de Tane Randall. Quelle erreur. Brown qui dégage immédiatement dans ses 22 et qui va trouver, non, il ne trouve pas la touche sur la ligne médiane, et encore une chandelle pour aller mettre la pression sur les arrières néo-zélandais. Et Brown qui, non c'est pas Brown décidément, c'est Jeff Wilson qui s'en est sévi. Ouais, qui choisit la diagonale, Jeff Wilson, pour occuper le terrain. L'arrière Matt Pini avait tapé la chandelle, le coin, côté gauche du terrain était dégarni, mais le ballon va dans l'embut. C'était très bien joué de la part de Wilson. Il a vu que Matt Pini était venu sur cette chandelle, donc le terrain n'était plus couvert. Matt Pini qui, depuis le début de la partie, donc, s'est fait remarquer en suivant ces deux chandelles, qui est un joueur qui a évolué en Angleterre, Matt Pini, et qui jouera à partir de cette année à Narbonne, recruté par... Ah, Pierre Berbizier. Et la percée Osborne. De Glaise Osborne, effectivement. Osborne qui s'est amusé avec la défense italienne. Keller qui sort le ballon pour Brown et ça file jusqu'à Pita Alatini. Et au bout, Jeff Wilson. Jeff Wilson qui va aller marquer son 35e essai sous les couleurs des All Blacks. La première occasion de jeu à la main qui est la bonne pour les Blacks. Ils avaient marqué leurs 3 premiers points sur la précédente attaque. Et là, Jeff Wilson, 35e essai. Il rejoint donc dans la légende John Kirwan. Oui, il rejoint une légende, John Wilson, quand on pense qu'il n'a que 25 ans. C'est extraordinaire, alors qu'un bon décalage. Et Gibson qui envoie Jeff Wilson, alors qu'on avait eu une magnifique relance de Glenn Osborne de North Harbour. Et un très bel essai de Wilson. Les Blacks savent être patients. Et ils nous l'ont montré sur cette action, même s'ils ont été un peu dominés en début de rencontre. Ce sont eux les premiers qui marquent dans cette rencontre. Ah, ils ont été dominés à peu près une minute, hein, c'est All Black. Et les voici déjà avec maintenant 10 points au tableau d'affichage. Et Jeff Wilson qui se souvient qu'il a commencé sa carrière comme ailier. Et là, il est en bout de ligne pour aller aplatir entre les poteaux. Et vous avez pu apercevoir que le numéro 13, c'est Pita Alatini, un Tonguien d'origine, et qui remplace Christian Cullen. Cullen qui était titulaire jusqu'à présent, et Cullen qui est sur le banc. Oui, sur le banc avec Mertens. Joli banc aujourd'hui des All Blacks. Oui, parce qu'en titulaire habituel, il y a Anton Oliver, le talonneur, il y a Kizmeus, le pilier, il y a Mertens, l'ouvreur, il y a Cullen, le centre, enfin, désormais centre. Et Robin Brook. Et Robin Brook. Donc vous voyez que c'est une équipe B, disons, de cette Nouvelle-Zélande, avec quand même quelques armes. Il y a un joueur qu'on n'a pas encore vu, c'est John Alomu, mais je pense qu'on va le voir dans cette partie. Et ne vous inquiétez pas.
avec un changement côté italien et l'entrée est de Nicola Mazzucato. Mazzucato qui était entré lors des deux matchs précédents. Et l'arrière. Dane Randall, le capitaine, qui lui a conservé sa place. C'est le relais de John Hart aussi dans cette équipe. Mais alors que sur l'action, Brown s'est fait piéger. Il a tenu le ballon au sol et il faut sanctionner par l'arbitre. À l'occasion pour Dominguez de réduire un petit peu l'écart au tableau d'affichage. Dominguez qui fait une bonne Coupe du Monde, même si son équipe a eu des difficultés lors des deux premières rencontres. On l'a dit, ils ont été battus contre les Tongiens quelques minutes de la fin du match. Avec un drop énorme. Ah ouais, superbe drop de 45 mètres. Face au poteau, certes, mais il fallait le passer. Et ils ont été vexés, hein, les Italiens, de cette défaite, justement. Et là, 3 points, donc. Ils ouvrent le score. 3 points face aux Blacks. Ah bah tiens, on va en parler parce que les Blacks et les Italiens se sont déjà rencontrés à 3 reprises. 2 fois, ça a été quand même la correction. 70 à 6 à chaque fois pour les Néo-Zélandais. La première fois en 87 à Auckland. Et la deuxième en 95 à Bologne, donc en Italie. Mais ils se sont rencontrés en Coupe du Monde également en 91. Et là, ça avait été beaucoup plus serré. 31 à 21 seulement pour les Blacks. Oui, ça avait été une surprise dans le monde du rugby, ce score. Et les Italiens qui disaient justement que le fait d'avoir attendu pour participer au tournoi depuis 3 ans maintenant ne les a peut-être pas avantagés parce qu'il manquait un peu de compétition et de compétition de très haut niveau. Et pour arriver dans cette Coupe du Monde, c'est vrai où ils sont décevants. Pour l'instant, 2 matchs de défaite, une correction face aux Anglais, une défaite face aux Tongiens et puis certainement une défaite aujourd'hui face aux Blacks. Donc bref, 0 pointé pour les Italiens. Et maintenant qu'ils vont faire partie du tournoi, c'est peut-être un peu tard en tout cas pour cette Coupe du Monde. Alors que Mazzucato sur la chandelle a été plus prompt que John Alomou. Mazzucato qui est entré à la place d'ailier, hein, à la place de Paolo Vaccari, l'arrière restant Mazzpini. Monsieur Fleming qui discipline les deux packs et introduction Byron Keller. Keller qui est entré à chaque fois lors des deux premiers matchs et qui a marqué un essai à chaque fois le demi-mêlée à la place de Justin Marshall. Alors, ils ont du mal à conserver la balle, hein. Les Italiens qui le perdent dès qu'ils l'ont en possession. C'est ça souvent aussi, Laurent, qui fait la différence entre les grosses, très grosses nations et les plus petites. C'est la capacité de conserver le ballon à l'impact. Oui, on l'a vu avec un match fantastique entre les Anglais et la Nouvelle-Zélande. Donc, cette capacité à conserver le ballon, on n'a pas vu beaucoup de fautes ce jour-là. C'était un match, ça reste un match de référence, surtout à ce niveau-là. Dominguez qui a tapé pour Wilson, qui dégage dans ses 22. Et les Blacks qui vont avoir affaire une fois de plus à l'attaque italienne. Moretti qui va remettre ce ballon en jeu, qui va sûrement chercher Giaccheri qui a signé pour Brive, ou alors Cecchinato. Giaccheri qui est un Australien d'origine, et là donc talonneur Andrea Moretti. Et un ballon qui est perdu par les Italiens sur la touche, et le ballon qui va arriver dans les bras de Brown. Et qui décide d'occuper le terrain tout de suite. Mathieu Pigny, encore une fois. Ça, ils aiment le faire, hein, les Blacks, ces grands coups de pied pour justement occuper le terrain. Ils arrivent très vite sur le porteur du ballon. Troncon, non. C'est Caillonnet, le troisième ligne, qui dégage cette balle dans les bras de Wilson. Brown, John Alomou. Est-ce qu'ils vont lui laisser 10 mètres pour démarrer? Attention au démarrage de John Alomou, il était dans ses 22 mètres, on l'a vu face à l'Angleterre. Regardez, il est encore passé, il se gêne un petit peu avec ses coéquipiers. Il s'est un peu gêné avec Andrew Blowers, le troisième ligne qui ne l'a pas laissé passer. Mais à chaque fois qu'il a la balle, vous avez entendu le murmure dans le stade à McAlpine de Nursefield. Et là, les Italiens sont en jeu sur l'action. Dès qu'il a un peu d'espace, John Alomou. Wilson. La faute volontaire des Italiens, encore une fois, ça sera 10 mètres de plus. Et là, je pense que les Néo-Zélandais vont soit taper le coup de pied, soit aller en touche. Et une première balle pour John Alomou et déjà une percée de 60 mètres.
face à l'Angleterre, il avait touché 4 ballons. Sur le premier, il y a l'essai, le premier essai néo-zélandais. Et sur le troisième, me semble-t-il, il en marque un encore d'anthologie, comme en 95, en écrasant tous ses adversaires. Donc John Alomou, maintenant, bonifie les ballons. Et comme il le disait, hein, il a perdu ses œillères, c'est-à-dire qu'il ne joue plus en fonçant tout droit comme avant. Il pense aussi à ses coéquipiers, même si là, il avait peut-être un peu de soutien. Alors que là, nous allons avoir une touche importante pour les Néo-Zélandais. On est à quelques mètres de l'embut italien. Ce sera sûrement Ian Jones de North Harbour. Ou peut-être Randell en fond de touche pour dynamiser un groupé pénétrant. Ian Jones qui est le deuxième Néo-Zélandais le plus capé de l'histoire derrière Sean Fitzpatrick. 92, 78 aujourd'hui pour Ian Jones. Ouais. Les Italiens bien défendus de leur part. Dès qu'il est reparti au sol, donc ils ont enfoncé. Les Néo-Zélandais se structurent. Avec un ballon qui va être libéré pour Keller. Avec Brand et Lomu. Lomu qui offre le point de fixation. Ouais, il va falloir le faire tomber, John Lomu. Il y avait du monde autour de Lomu sur cette action. Et c'est un peu le problème, hein. Souvent c'est qu'il mobilise à lui seul 3 ou 4 joueurs, donc ça crée de nombreux espaces lorsque les Blacks parviennent à ouvrir. Et on va tenter. Voilà la décision de Tane Randall, le capitaine. Ouais, ça surprend toujours un peu les spectateurs, mais... Face au poteau, ça fait quand même 3 points de plus. Ouais, hein. Bien sûr. Et c'est le style, c'est la marque All Black. Prends les points. On a beaucoup parlé de John Alomou lors de la rencontre Angleterre-Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'il il a fait la différence sur son essai, l'avant-dernier essai de la rencontre. Mais le gros bonhomme de la partie, c'est Kronfeld, Nicolas, qui a éclaboussé cette rencontre. Là, il aime bien les Anglais d'ailleurs, Kronfeld, parce qu'en demi-finale 95, là aussi, il avait fait un super match. Il avait marqué un essai également, comme la semaine dernière. Et Kronfeld, c'est vrai que c'est peut-être un joueur dont on parle moins que les autres, mais c'est un homme hyper important pour l'effectif All Black. C'est une des pièces maîtresses. Il est toujours disponible en plus. Ah, et puis il empoisonne tous les ballons adverses. Soit il les récupère, soit il permet à ses coéquipiers de se replacer. Il gêne les sorties de balles. Keller qui a 22 ans. Byron Keller, le demi-mêlée de cette formation All Black, avec un ballon pris par les Italiens. Voilà qui est bien joué, Cecchinato. Intervention de monsieur Jim Fleming. Bon, il a touché tes pas droite. Et on a vu encore Ian Jones qui a sauté très haut, qui a gêné un peu, qui met la pression sur le talonneur adverse. Il faudrait qu'il s'applique toute la partie, il le sait. Même s'il n'attrape pas le ballon, il gêne considérablement les sauteurs italiens. C'est Lomu qui va sous la chandelle. Ah, bien saisi par Matpini. Il a bien retourné Matpini. Le ballon est pour les Néo-Zélandais qui progressent dans l'axe. Avec le travail, on a vu le travail de Ian Jones. Le ballon est perdu par les Blacks. Et Jones, encore une fois, qui s'est jeté. Bien arbitré. La première peut-être attaque, réelle attaque italienne, qui essaie d'ouvrir un peu plus. Et une petite faute de main de Cipollino. C'est récupéré par Marc Hamet. Mika, Brown. Brown lui aussi est retourné, il perd le ballon, mais intervention de Monsieur Fleming. Et les petites pertes de balles. À des visages blacks auxquels il faut s'habituer, comme ceux de Hamet, ceux de Mika, le joueur d'Auckland. Dylan Mika qui fête sa 6e sélection seulement, un ancien international samoan. Et la moyenne d'âge des trois quarts néo-zélandais aujourd'hui est intéressante. On va tourner autour de 23 ans. À part Glenn Osborne que l'on connaît bien de North Harbour, qui a 28 ans, le reste, ça tourne entre 22 et 24 ans. Ça prouve la richesse de ce rugby néo-zélandais. Osborne qui était l'arrière de l'équipe néo-zélandaise en 95.
Ça permute pas mal hein, dans les lignes trois quarts en ce qui concerne les places au niveau des blacks. Avec la percée de Byron Keller, il aime ce genre de ballon. Byron Keller, à chaque fois, il en a exploité de très bons lors des matchs précédents. Randle qui était venu au soutien, Brown. Avec un ballon perdu de Darrell Gibson. Troncon qui va jouer au pied. Essayant d'aller chercher la touche, mais il n'y parviendra pas. Si Wilson l'a laissé filer cette balle. Oui, Brown qui pour l'instant a du mal à lancer son attaque. Il a du mal à se positionner, soit à plat, soit en profondeur. Là, il n'était pas très bien placé encore une fois. Il n'a pas donné sa balle dans des bonnes conditions, même si on voit là Keller s'échapper après une 8-9. Il retrouve Randle et ensuite on aura une belle sortie, un bon ballon pour Keller. Et Tony Brown qui, pour l'instant, n'arrive pas à organiser son jeu de ligne. Une prise de balle de Ian Jones. Les Blacks qui travaillent, qui essayent de dérouler, d'enfoncer ces Italiens. Ouais, qui les travaille au cœur et qui bénéficie ici d'une pénalité. Un joueur italien a dû se porter hors jeu. Important de prendre un peu le pas sur ses vis-à-vis, notamment devant. Ah, pas facile hein, de défendre quand on a un moule comme ça qui déroule. Pas facile de se positionner et justement éviter la position de hors-jeu. Et on joue à cache-ballon. Et on essaie de prendre l'adversaire dans l'axe. Pas facile non plus pour Brown de remplacer Andrew Mertens. Ahmet et Ian Jones. Voilà, avec le ballon pour Greg Fick. Greg Fick qui se relève. Greg Fick qui va libérer son ballon pour Keller. Brown. Petit en avant de Keller. Ouais, il est ouais. Gentil, monsieur l'arbitre. Ah, c'était sous ses yeux quand même. Hein. Keller à nouveau pour Lomu. Là, Lomu, il n'a pas beaucoup de champ, mais il y va. Il y va, John Lomu. Il percute. Mais là, il passera pas. Il libère bien son ballon. Mika. Mika dans l'axe. Avec Craig Dowd. Allez, les Italiens qui défendent comme ils peuvent, mais pour l'instant ils s'en sortent bien. Avec encore un ballon ici pour Alatini. Alatini qui a créé une brèche. Brown qui arrive lancer. Le ballon, oh, c'était en bout de ligne. Hein. Ils étaient deux. Il y avait Gibson et Lomu. Et finalement, c'est un ballon récupéré par les Italiens. Interception de Brown. Brown qui va filer à l'essai. Voilà le deuxième essai All Black. Pourtant, ce sont les Italiens qui avaient bien défendu. Ils avaient même chippé le ballon All Black, mais sur une mauvaise passe. Eh bien, c'est Brown, Tony Brown, le demi d'ouverture remplaçant habituel, qui vient aplatir dans l'embut. Ouais, Tony Brown qui intelligemment s'est porté à l'intérieur d'un Italien qui avait récupéré justement ce ballon. Il a chippé ce ballon. On va voir ça très clairement. Là, une première fois, et nos Irlandais perdent le ballon par Gibson. Et bonne récupération de Mazzucato, hein, mais ensuite la passe. Il ne faut pas commettre la moindre erreur face à cette équipe All Black. Ils exploitent tous les espaces et tous les ballons. Et encore un essai à 7 points, puisque là, il aplatit entre les poteaux. Alors qu'on avait vu encore une fois Alatini venir sur une croisée avec Brown, justement, sur l'action précédente. Alatini qui vient bien pénétrer ce milieu de terrain, même s'il a en face de lui un sérieux client avec Stoica. Et Cepolino, mais surtout Stoica, de joueur de Narbonne, un gros physique. Ouais, c'est Lomu qui est allé reprendre Mazzucato et ensuite l'interception de Tony Brown. Bah, deuxième essai des Blacks qui porte leur avantage à 17 points. Il y a beaucoup d'observateurs hein, qui ont parlé de ce match en mentionnant des records. Alors je pense pas que les Blacks battent le record de points qu'ils aient inscrits dans une rencontre, puisque c'était 145 points marqués face aux Japonais. On ne souhaite pas en tout cas aux Italiens, parce que ce serait plus qu'une humiliation. Mais il y a déjà un record qui n'est pas encore tombé, qui a été égalé, c'est celui du nombre d'essais Blacks marqués donc par Jeff Wilson. Et Brown là, qui est en train de prendre confiance, c'est vrai que c'est un match parfait hein, pour les remplaçants Black, pour justement se mettre complètement dans le rythme de la Coupe du Monde. Tony Brown qui est bien gêné sur les montées italiennes quand il récupère le ballon. Les Italiens mettent bien la pression sur le numéro 10 adverse, en l'occurrence Brown.
Roland qui a déjà marqué beaucoup de points dans cette partie. Il en est à 9 et 6, ça fait 15. 15 points pour Brown. Il faut dire qu'il s'était signalé justement comme un grand, grand marqueur de points lors du dernier Super 12. Trancon. Allez, encore une passe un peu hasardeuse. Hein. Allez, Néo-Zélandais hors jeu sur cette action. Ouais, le numéro 10, Cepulino, qui est venu trois plats après Dominguez. Il n'a pas beaucoup de pas impulsé sa course. Il est venu trop lentement face à cette défense néo-zélandaise. Il s'est fait un peu secouer, mais les Néo-Zélandais se sont portés hors jeu. Les Italiens qui vont essayer de réduire le score hein, par la botte de Diego Dominguez à peu près à 46 mètres. Les Italiens qui ont déjà joué dans ce stade en qualification. C'était leur meilleur match hein, d'ailleurs depuis de nombreuses années et qui restera encore leur match de référence pour l'instant. C'était face aux Anglais et ils n'avaient perdu que 23-15. C'était en novembre 98, donc il y a un peu moins d'un an. Les Anglais qui ont passé un record en nombre de points marqués dans ce stade face aux Pays-Bas, 110-0. Et la pénalité qui ne passe pas pour Dominguez. C'est Randall ensuite qui se prend pour un demi d'ouverture qui a voulu relancer. Le ballon récupéré par les Italiens et par Cecchinato me semble-t-il. Et qui est bienvenu dans cette défense néo-zélandaise. La tentative de drop de Diego Dominguez, ça passe à côté des poteaux et ça va filer en ballon mort. Et on le sent, ça sera difficile pour cette équipe italienne de franchir ce rideau néo-zélandais et d'aller derrière la ligne. Donc Diego a préféré tenter le drop. Bini. Ah non. Mazzucato. Kevin était repris. Trancon. Il va chercher petit côté. La chandelle petit côté. Et les Blacks qui ne parviennent pas. Si voilà. Tame Randall avec le soutien de Marc Hamet. Oui, Tame Randall qui met de l'ordre. Qui garde le ballon. Qui le sécurise. Randall que l'on voit beaucoup hein, en début de rencontre. Voilà Jeff Wilson qui avait pris l'intervalle, il est passé Jeff Wilson, attention, est-ce qu'il a du soutien ou va-t-il essayer d'y aller tout seul? Jeff Wilson voilà qui transmet, c'est bien joué à Byron Keller, il est rapide mais là aussi il va être repris, Keller à quelques mètres et il est mis en touche Byron Keller à ce demi de mêlée qui physiquement n'est pas un monstre, en tout cas quand on voit ses proportions. Byron Keller 1m75 pour 90 kg quand même, mais ce demi de mêlée qui fait beaucoup parler de lui, on parle de lui comme étant peut-être meilleur que Justin Marshall, ce qui est quand même une sacrée référence, mais en tout cas regardez, il est vif et il est tonique. Ouais, qui après une bonne pénétration de Jeff Wilson qui a donné ce ballon à Keller et qui a essayé un peu de gruger le joueur italien en essayant de le fixer à l'intérieur du terrain. Ça n'a pas pris sur ce coup-ci et il s'est fait projeter en touche. Ouais, mauvaise balle en touche là, de la part des Italiens. Finalement ils s'en sortent bien en ayant récupéré. Et la touche ne sera pas trouvée et c'est mauvaise pioche. Ouais, sur Lomu, mais regardez, ils sont 5 là autour de Jonah Lomu. Keller qui s'est fait un petit peu bousculer. Hamet. Voici Keller qui remet Brown pour Alatini. Pas perforant aujourd'hui Alatini. Wilson avec Dold et maintenant Glenn Osborne. Ben Osborne avec Royce Willis. A du mal à ouvrir un petit peu là côté néo-zélandais. Blowers. Et en jeu italien. C'est une des c'est un des points forts de ces néo-zélandais alors que Brown a joué vite, ouais. Osborne, il n'y a personne au soutien, donc il a cherché, il avait passé les bras pour donner, mais il n'y avait personne au soutien. Byron Keller, Tony Brown, qui rejoue à l'intérieur avec Tane Randall. Keller avec Royce Willis. Les Blacks qui essayent de fixer un peu plus la défense italienne pour ouvrir ensuite, mais ils ont du mal en ce moment. Cafouillent un petit peu leur rugby, mais il faut dire que ce sont, on répète, hein, beaucoup de remplaçants, donc ils n'ont pas forcément tous les automatismes qu'a l'équipe titulaire. Oui, et les Italiens se sacrifient en défense. On le voit encore sur cette action, même si Randall progresse un tout petit peu. Et ensuite, on va jouer avec les avants pour essayer de fixer donc ces joueurs qui sont sur les franges. Ils vont jouer à la main. Ils jouent à la main. Ouais, c'est pourquoi le public applaudit.
Eh bien, ils ont perdu le ballon, les All Blacks. Ils ont perdu le ballon avec Moretti qui a récupéré. Et ce ballon-là, il ne fallait pas le lâcher parce que c'était quasiment dans le but. Ce sera une mêlée à 5 mètres. Et c'est l'arbitre qui estime que les Italiens sont entrés dans leur but avec le ballon. Et donc l'introduction sera pour quelle heure ? Mêlée qui s'effondre. Qui s'effondre et qui tourne, donc on fera refaire la mêlée. Les Blacks qui avaient été impressionnants avec leur pack face aux Anglais, parce qu'on sait que c'est la force numéro 1 de l'équipe anglaise, et les All Blacks avaient résisté à la puissance physique des Anglais. Bah, ils ont su relever le défi, c'est vrai, ça s'annonçait très dur pour eux, surtout le 5 de devant anglais est très fort aujourd'hui. Alors que Léa qui ouvre sur Brown. Ouais, c'est passé à Gibson. Et puis derrière, Alatini qui est repris. Bien repris de la part de Mazzucato qui fait une entrée remarquée quand même. Mazzucato, il a chippé un ballon, il défend bien. Et Keller qui va essayer d'y aller en force. Il en a déjà marqué un essai comme ça dans cette Coupe du Monde. Ça a plongé, essai. Alors qui est-ce? Je me demande si c'est pas Yad Jones qui a pris le ballon pour plonger dans l'embut. Ouais, c'est Mika, je crois. Ouais, c'est pas Mike Jones. Ce serait Dylan Mika, effectivement, Dylan Mika qui a chippé ce ballon, bien travaillé par Byron Keller notamment. Regardez Keller qui va essayer d'y aller tout seul en force. Voilà, il recule, et derrière, Dylan Mika qui prend le ballon pour plonger. Dylan Mika qui inscrit son premier essai sous les couleurs néo-zélandaises. C'est le troisième quand même de cette partie. Oui, des néo-zélandais qui commencent à s'engouffrer au milieu du terrain avec, on l'a vu, Gibson et Alatini. Qui est de mauvaise augure pour les Italiens, parce que c'est un de leurs points forts, le milieu de terrain. Je l'ai dit tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure avec Stoïka. Et Mika, qui, je vous le disais, est un ancien international samoan qui a joué avec les Samoa contre l'Australie et le Pays de Galles en 94. Et maintenant, eh bien, il marque des points sous la tunique All Black. À 3 pour les Néo-Zélandais après une demi-heure de jeu. Eh bien, c'est conforme à ce que l'on attendait. Les Italiens sont vaillants, ils sont gaillards, ils ont du cœur en tout cas, mais en face, bah, ils tombent sur un mur. L'image de Giovanelli, donc ils défendent bien, ils donnent tout ce qu'ils ont, les Italiens. Regardez un peu la progression de ce pack néo-zélandais. Les Italiens sont obligés de se replacer, hein. Ils ont du mal, sinon ils sont en position dehors. Je vois là, le ballon est libéré pour Brown avec Gibson. Gibson, il est passé, mais il a glissé. La position d'enjeu encore une fois des trois quarts italiens. Ils vont se faire souvent pénaliser, hein. Certainement en position de hors-jeu les Italiens, parce qu'ils n'ont pas trop le choix finalement. Ouais, Gibson à Latini aujourd'hui au centre chez les Néo-Zélandais. Qui commence alors que là c'est le capitaine italien, Massimo. Non, ce n'est pas lui d'ailleurs. Si c'est Massimo Giovanelli, oui. Giovanelli qui se fait reprendre par Monsieur Fleming. C'est vrai que les Italiens se mettent souvent en position de hors-jeu, mais bon, comment faire Laurent pour bloquer et cette furie All Black. Il l'avait dit, hein, John Hart, que son équipe jouerait le jeu. Et bien pour l'instant c'est ce qu'elle est en train de faire. Hein. Les Blacks pour l'instant en Coupe du Monde, ils ont joué 20 matchs, 18 victoires, 2 défaites. Donc ils veulent continuer avec cette statistique impressionnante. Il y a mieux, hein, pour l'instant, puisque ce sont les Sud-Africains qui, eux, n'ont jamais perdu un match de Coupe du Monde, mais ils en ont joué beaucoup moins aussi. La bonne prise de Randall et la percée ici de Greg Fick. Le ballon repris par Royce Willis avec Ian Jones au soutien. Le ballon, là, il va être difficile à libérer parce qu'un Italien qui a empêché cette sortie de balle. Ouais, qui n'était pas debout, donc qui n'avait pas le droit de toucher le ballon, alors qu'on a vu encore une fois Fick qui est performant aujourd'hui, ce pilier gauche de Canterbury qui nous fait une bonne impression aujourd'hui, alors qu'on le voit, le joueur italien est au sol, il n'a pas le droit de toucher le ballon. Ouais, c'est le talonneur Andrea Moretti. John Alomou qui vient se porter à troisième ligne centre dans cette équipe néo-zélandaise. Il avait fini le match contre l'Angleterre en position de troisième ligne. Il a joué troisième ligne, John Alomou, il a même joué deuxième ligne lorsqu'il était beaucoup plus jeune. Avec le gabarit qu'il a, on remarque qu'il peut jouer beaucoup de postes. Peut-être pas celui de demi-mêlée.
Regardez, Jonalomu qui perd fort. Et il est passé, Jonalomu. Laissez le Jonalomu en position effectivement de troisième ligne. Et la puissance du bulldozer qui a fait effet dans la défense italienne. Oui, c'est incroyable ce que vient de faire Giovanelli, parce qu'il a ramassé ce ballon derrière la mêlée. Il est venu sur Giovanelli, sur le numéro 9 qui est un bon défenseur. Il a amené aussi le centre italien, non pas Stoica mais Cepolino, alors que oui, Giovanelli a été pris un peu de vitesse. Oh, quelle impression, quel taureau ce Jonalomu, parce que là ils étaient 4, hein, ils étaient 4 sur son dos, et là il n'était pas lancé, hein, c'est uniquement avec la puissance de ses jambes qu'il y est allé, Jonalomu, et en plus c'était prévu, hein, parce que c'est pas par hasard qu'il est venu se placer ici derrière le pack. Ouais, il était déjà venu une première fois en position de mêlée donc contre les Anglais. C'est une tactique de John Hart, concoctée par John Hart. Et on le voit à quelques mètres de la ligne, il est bien difficile à arrêter, surtout que le plus souvent possible, le premier défenseur sera le demi de mêlée. Donc là, Jonalomu à quelques mètres, évidemment, ça devient difficile pour les défenses adverses. Ah, c'est impressionnant le physique de Jonalomu, et qui prouve quand même qu'il a évolué, hein, dans son rugby, que c'est plus tout à fait le même Lomu qu'en 95. En 95, on le connaissait pas trop, il marquait beaucoup d'essais parce qu'il était lancé. Les Sud-Africains avaient trouvé la parade dans le bloc en tôt, mais maintenant il prouve qu'il est capable de faire plein d'autres choses. Et regardez Jonalomu, encore une fois, il percute, il résiste, et il parvient à transmettre à Gibson. Gibson qui va se mettre dans l'intervalle, qui parvient lui à transmettre à Jeff Wilson. Et Wilson, il va aller à l'essai. Il va devenir le recordman du nombre d'essais marqués par All Black. C'est fait. Le deuxième essai en ce qui le concerne dans ce match. Et encore une fois, Jonalomu au départ et Jeff Wilson à la conclusion. La machine All Black est lancée. Là, ça fait deux essais en 3 minutes. Ça risque de faire très très mal au tableau d'affichage. Oui, alors on le voit, les Néo-Zélandais qui viennent congratuler Wilson. Ils le savent. C'est le recordman d'essai aujourd'hui, alors qu'on voit Jonalomu prendre au cœur du terrain les Italiens et surtout donner aussi dans le bon timing. C'est ce qu'il a fait. Et ensuite, je crois que c'est Gibson qui envoie Wilson derrière la ligne pour le record. Il dépasse John Kirwan. Et comme vous le disiez tout à l'heure, hein, il n'est pas vieux, Jeff Wilson. Il n'a que 25 ans. Il fête ici sa 51e sélection, Jeff Wilson, 51 sélections, 35 essais, 36 même, bah, c'est pas mal. Hein. Oui, alors que quand on sait qu'au départ il a hésité entre le cricket et le rugby, parce qu'il était joueur professionnel de cricket. Il a même été international. Et international, ouais. Lui qui a été nommé lorsqu'il était ailier, le troisième ailier de tous les temps. Alors c'est toujours subjectif, hein, ces nominations, bien évidemment. Mais bon, quand même, ailier maintenant arrière, et puis il marque toujours autant d'essais. Belle action, hein, de Lomu encore une fois. Il est venu performer, mais aussi donner dans le bon temps. Regardez, hop, il perfore et hop, il donne dans le bon temps. Pourtant, ouais. Cepolino, il y était allé, hein, sur Lomu, mais vous avez vu comme il a reculé. Ouais, Wilson, arrière, ailier, ailier arrière. Joueur complet. Jeff Wilson qui avait été remarqué pour le rugby lorsqu'il jouait un match entre écoles. Il avait marqué 66 points lui tout seul dans ce match. Et c'est comme ça qu'il a été remarqué par les sélectionneurs des équipes de jeunes. À 66 points quand même, ça fait beaucoup pour un seul homme. Belle défense de Mika encore sur une croisée avec deux joueurs italiens. Il a bien anticipé Mika. Blowers, Mika, c'est des joueurs de Super 12. Avec des Italiens qui vont essayer peut-être d'arrêter l'hémorragie, peut-être de marquer aussi des points. Troncon qui est remise à l'intérieur, mais les Blacks sont vigilants. Troncon encore une fois. Ils avaient enchaîné 3-4 phases de jeu là, les Italiens. Mais le problème justement, c'est que maintenant, on l'a vu contre l'Angleterre, c'est qu'à ce niveau, il faut en enchaîner parfois 10, parfois plus même pour arriver à l'essai, surtout face à une équipe du calibre des Blacks. Et la percée encore de Gibson qui a bien décalé Alatini. Alatini d'une main pour Brown et Jeff Wilson. Est-ce qu'il va aller en marquer un 36e? Non, il préfère redonner à Glen Osborne. Glen Osborne qui vient aplatir. Là, ça fait quand même 3 ballons blacks et 3 essais. Ça fait très très mal. Pourtant, les Italiens se sont beaucoup donnés, mais peut-être qu'ils sont déjà un peu fatigués en défense. En tout cas, Glen Osborne qui lui aussi fait son retour en tant que titulaire, vient marquer un nouvel essai sous les couleurs blacks. Oui, alors on l'a vu, la balle était italienne au départ, récupérée par les Néo-Zélandais. Et encore une fois, Gibson Alatini au centre du terrain.
Brown au relais et Wilson qui donne à l'intérieur à Glenn Osborne. C'est simple, c'est propre, mais c'est surtout très très bien fait. On l'a vu hein, sur la phase précédente, les Néo-Zélandais et surtout les avant-Néo-Zélandais qui sont venus défendre le 2 puis les numéros 1. Ian Jones qui a récupéré le ballon et qui a envoyé donc la cavalerie néo-zélandaise. Les Néo-Zélandais devant sont très très durs à passer, sont toujours très bien organisés en défense. On a vu souvent ces avant-Néo-Zélandais venir en premier défenseur. Ils sont bien organisés sur les... Sur tout ce qui est phase statique, ces Néo-Zélandais. 48-3 à la mi-temps, ça fait quand même beaucoup. Et encore, la mi-temps n'est pas sifflée. Ça fait beaucoup. Hein. Le plus grand nombre de points qu'ils aient pris, les Italiens face aux Blacks, c'était 70. À ce rythme-là, on va largement les dépasser. Puis on va peut-être assister au record hein, cette année en Coupe du Monde. Ian Jones sur le coup d'envoi, sur le renvoi en jeu. Voilà, Brown qui joue au pied et qui va non pas trouver la touche, c'est volontaire. À chaque fois, il recherche Matt Pini, la chandelle. Et Matt Pini qui s'est heurté avec Brown. Ouais, c'est volontaire, il sollicite l'arrière qui ensuite souvent donc, suit ses coups de pied, même si là, Randall fait une toute petite faute, petite obstruction. C'était plutôt léger. Et le ballon est pour les Blacks. Claire. Regardez dans la boîte. C'est pas le point fort de Jonah Lomous. C'est souvent un ballon qu'il laisse. Et ensuite, il essaie de retourner le joueur qui récupère le ballon. On l'a vu, il vient pas disputer le ballon en l'air. Mais par contre, le joueur qui récupère la balle. Il se retrouve avec un mur sous lui. Mais c'est vrai que, comme quoi, on voit là-dessus que Lomous, il peut encore travailler pas mal de choses. Parce que c'est un secteur de jeu dans lequel il pourrait faire des progrès. Oui, c'est pas son point fort les balles hautes, et surtout sur les coups de pied, sur les coups de pied offensifs. Il va pas en l'air. Bon, pourtant il doit bien avoir pas mal de détente quand même, Jonah Lomous. Quand on voit les cuisses d'acier qui sont les siennes, quand on voit la vitesse à laquelle il court, il peut quand même certainement sauter un peu. Oui, mais là c'est une histoire de timing et d'appréciation de la trajectoire de la balle et bon, il peut pas tout avoir non plus. Ryan Jones, lui, au niveau timing en touche, il est parfait hein, pour l'instant. Il en prend des ballons. Ici, c'est Andrew Blowers. Et les avant, Black, qui travaille bien, hein, qui se relaye bien également. Ryan Jones, qui avait pris la balle, mais intervention de monsieur Jim Fleming. Ah, Wilson qui est venu dans la ligne. Percuté quelques adversaires et Dominguez. Touche un tout petit peu le ballon et lui fait perdre le contrôle de la balle. Souffre un peu en mêlée les Italiens. Ils sont fatigués en ce moment les Italiens. Et il est temps que la pause intervienne parce qu'ils sont vraiment fatigués. Ils ont perdu le ballon et c'est récupéré par Blowers. Blowers qui laisse échapper le ballon au moment où il l'a récupéré. Mais la balle est toujours néo-zélandaise. Ah, ils sont tellement dominateurs les Blacks qui cafouillent quand même un petit peu. Ils commettent quelques petites fautes, des petites fautes de main, des fautes de placement. Mais bon, ils ont de la marge. Et Randall intelligemment demande à l'arbitre combien de temps il reste et décide de taper cette pénalité puisqu'il ne doit plus rester beaucoup de temps. Et on va peut-être passer la barrière des 50 points à la mi-temps. Ah, c'est jamais très bon de rentrer dans les vestiaires avec 50 points dans la musette. Ouais, et puis 6 essais déjà quand même. Hein. Et puis les Italiens, ils savent bien qu'ils sont, ils sont pris un peu dans tous les compartiments de jeu. Que ce soit à l'impact ou même au large. Et ça passe, ils vont dépasser les 50 points effectivement. Et 26 points déjà pour le cher Tony Brown. Je vous disais qu'il s'était fait remarquer dans le Super 12 comme un grand marqueur de points. Bah là, il en a marqué 26 déjà. Et les Blacks qui mènent 51-3 à la mi-temps. C'est vraiment la correction pour l'équipe d'Italie qui risque de souffrir encore plus en seconde période. Parce que en général, les adversaires des Blacks et des équipes de l'hémisphère sud craquent encore plus physiquement. En deuxième période, ça nous promet encore pas mal de valises de